Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Charles l'indiquait, donc moi je suis médecin enseignant-chercheur au CHU de Nantes en génétique. Je suis clinicienne, donc je vois des patients en consultation, des patients pour qui des maladies génétiques sont diagnostiquées ou sont suspectées. Alors, moi, par rapport à la question, je vais vous parler aussi de ma pratique. Donc, dans le service de génétique, on voit quasiment exclusivement des maladies rares, des personnes qui sont porteuses de maladies rares. Il faut savoir qu'il y a 80% des maladies rares qui sont d'origine génétique et qui concernent principalement les enfants. Faire des tests génétiques, pour nous, ça va être d'abord d'essayer de faire un diagnostic, d'identifier un variant pathogène, un variant qui est responsable de la pathologie chez un enfant ou chez un adulte, pour expliquer, pour mieux comprendre la maladie. Donc déjà, faire un diagnostic, essayer de comprendre ensuite la physiopathologie de la maladie. Et on a malheureusement peu de traitements pour les maladies génétiques aujourd'hui, mais en recherche, il y a des choses qui se développent. Donc pour nous, le séquençage haut débit, on a vu une révolution en termes du séquençage de l'ADN, donc ça, je pense qu'on en reparlera, qui vraiment révolutionne nos pratiques. Et on est capable maintenant de séquencer l'ensemble des gènes, l'ensemble même du génome d'une personne. Et ça nous ouvre la porte pour lutter contre l'errance diagnostique, pour améliorer les diagnostics chez des patients qui sont porteurs de maladies parfois ultra rares. Donc ça, c'est le gros avantage qu'on peut voir pour notre pratique en tant que généticien clinicien. Ensuite, les risques de collecter toutes ces données génétiques, je pense que nous, ce qu'on voit, alors, avec la vision française, donc en France, il y a un encadrement législatif des tests génétiques. On a une révision des lois de bioéthique qui est en cours cette année. Donc il y a aussi toute une réflexion éthique autour de ce qu'on fait des tests génétiques. Mais c'est plus par rapport aussi aux tests en ligne qu'on connaît plus aux États-Unis ou ici, qui sont illégaux en France, mais qui peuvent être commandés par exemple sur Amazon, malgré tout par les Français. Et donc c'est cette possibilité de pouvoir faire des tests beaucoup plus facilement, de pouvoir rechercher des variants dans d'autres gènes que l'indication pour laquelle le patient arrive pour nous voir en consultation. Donc ça, voilà, je pense qu'on va rediscuter de tout ça, mais pour moi, c'est plus ça les risques actuels et les enjeux éthiques nouveaux. Merci. Donc, très bonne introduction. Je vais pouvoir continuer à bâtir un petit peu là-dessus. Je pense qu'on peut continuer en disant que la façon dont sont collectées, sont utilisées les données peut différer. Donc, surtout quand on regarde ce qui se passe dans un milieu public, dans un système de santé public et dans des recherches financées par des organismes de subvention par rapport à ce qui est fait avec l'information génétique, que ce soit dans la recherche pharmaceutique, biotechnologique et aussi par l'entremise des compagnies qui vendent des tests génétiques directement en ligne. Je pense que d'un côté, quand c'est fait dans le domaine public ou avec du financement public, l'information va être généralement utilisée donc soit pour des fins de santé ou pour des fins de recherche en santé. Quand on passe dans le secteur privé, on a encore des objectifs de santé, des objectifs de recherche en santé, mais il ne faut quand même pas oublier que l'objectif principal d'une compagnie privée,
c'est d'être en affaires, c'est de rester lucratif, de rester pérenne, ce qui signifie de générer des revenus. Alors, dans ce contexte-là, l'information génétique, comme l'information médicale, est vue comme une source potentielle de revenus, quelque chose qui peut être échangé avec d'autres chercheurs, avec d'autres compagnies, possiblement vendu et exploité pour éventuellement peut-être aussi être breveté. Donc, il faut être conscient de ces possibilités-là qui ne sont pas nécessairement... qui ne sont pas nécessairement irréconciliables avec des objectifs de santé, mais bon, il faut aussi pouvoir, quand on fait affaire avec le secteur privé, un peu faire la paix avec ces possibilités-là. Donc, on voit à la fois le potentiel et le risque. Souvent, les tests sont disponibles plus rapidement dans le secteur privé, pour la bonne raison que l'encadrement n'est pas toujours le même. Que les gens financent les tests, donc que ça peut être financé ou pris en charge par un système de santé publique. Donc, il peut y avoir cet intérêt-là à la chose. Il y a probablement une plus grande variété qui est offerte, mais ça vient donc à un certain prix duquel il faut être conscient. Et j'ajouterais aussi peut-être un enjeu important qui est intéressant de discuter ce soir, c'est le fait qu'en génétique, de plus en plus, la recherche devient, s'internationalise et donc l'accès à l'information génétique se démocratise. Donc, des échantillons génétiques qui ont été collectés sur des patients à Montréal, avec leur consentement, bien sûr, peuvent se retrouver demain au Japon. Ça peut circuler très vite, l'information. Ça peut être entreposé sur des nuages informatiques. Donc, encore là, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et puis, on pourra discuter un peu plus tard aussi des implications pour le cadre de gouvernance juridique de cette information-là. Comment on peut gérer une information qui voyage aussi rapidement d'un pays à un autre? Merci. On a mentionné la clinique, la recherche, l'aspect commercial. Moi, je voudrais ajouter les volets d'identité et culture. Je voudrais poser la question, quel est le rôle de ces informations génétiques dans notre société, pour nous comme individus, pour nos familles, pour nos communautés? Et je trouve qu'on parle tellement de médecine personnalisée, comme si les tests génétiques sont l'avenir de la médecine, ça va révolutionner. D'ici quelques années, chacun de nous va avoir dans la poche un petit chip avec notre séquençage complet de l'ADN et aucun médecin ne va commencer notre traitement sans regarder nos gènes. On sait que des millions de personnes jusqu'à présent ont acheté ce type de séquençage, des compagnies comme 23andMe, pour connaître leurs risques génétiques, pour connaître de faits sur eux-mêmes, pour savoir quoi manger, comment faire des exercices, comment élever leurs enfants. Je trouve que cette curiosité qui est tellement présente dans la société de connaître nos gènes pour déterminer qui nous sommes et ce que nous devons faire pour notre bien-être est très exagérée. Je veux mettre le doigt sur le danger de mettre trop d'emphase sur ces informations génétiques, pas au niveau du diagnostic d'une maladie rare dans une famille qui a déjà une histoire, mais pour le grand public, on connaît cet intérêt à travers la force commerciale qui est déjà bien démontrée. Ancestry.com, des millions de clients, des millions de liens qui étaient créés entre les individus qui étaient des étrangers jusqu'au moment où il était connecté de cette façon-là. Donc, pour nous comme individus... Vous pouvez expliquer brièvement qu'est-ce que c'est l'industrie? Donc, des compagnies commerciales, ce qu'on appelle en anglais « direct to consumer », qui vendent ces produits à n'importe qui pour pas énormément d'argent, autour de $200, on envoie un échantillon souvent pris très facilement par la poste, et puis on peut obtenir soit des résultats génétiques sur nous-mêmes, comme des risques médicaux ou juste
de fun facts sur nous, soit ça peut créer une cartographie de nos ancêtres et des liens entre individus qui sont génétiquement liés. Et comme j'ai dit, le fait que des millions de personnes ont déjà payé de leur poche pour ce type d'informations démontre l'emphase culturelle qu'on met sur les informations génétiques. Donc, au niveau personnel, en lieu de faire pour notre santé ce qu'on sait déjà qu'il faut faire, bien manger, faire des exercices, réduire le stress, bien dormir, on va à la recherche des résultats magiques qui vont nous dire quoi faire, comme si on ne savait pas déjà quoi faire. Au niveau des familles, ça crée un nouveau type de famille, des liens entre, comme j'ai dit, des étrangers qui sont liés uniquement à travers leurs ADN. Et les gens disent « Oh, j'ai trouvé un cousin, j'ai trouvé… je vais partager plus tard des histoires encore très dramatiques par rapport à ce type de retrouvailles, même d'une maman ou d'une sœur ou d'un frère qu'on ne connaissait pas. Mais pourquoi on utilise le lien génétique en soi comme la base d'un sentiment d'appartenance ou un sentiment de relation, d'une nouvelle relation? Ça aussi, ça démontre l'emphase qu'on met sur le lien génétique et finalement, bien sûr, les communautés. Les gens achètent ce type de test de Ancestry.com et puis ils disent « Ah, j'ai découvert ma vraie culture, même j'ai découvert ma religion ». Mais où est notre identité du point de vue que comment ont été élevés, dans quelle communauté on vit, quelles sont nos valeurs? Tout à coup, notre identité au niveau de culture et religion devient une affaire génétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi, je mets le doigt sur le risque de la conception de l'information génétique dans notre société d'aujourd'hui, où l'emphase est telle que toutes ces compagnies et tous ces tests sont en train de créer une nouvelle réalité qui met un emphase hallucinant sur l'information génétique. Pour finir, Charles, tu as posé la question sur un angle personnel et je vais prendre ça à un autre niveau et partager avec vous une histoire vraiment personnelle parce que c'était mon intérêt initial pour la bioéthique à commencer avec cette histoire-là. J'étais très jeune et j'avais une amie qui était 20 ans plus âgée que moi. Elle m'a demandé si je vais être d'accord de lui donner un ovule. Elle était dans des traitements d'infertilité. C'était en France, en effet, où l'anonymat est toujours protégé, mais chaque couple vient avec une donneuse et les ovules sont croisés. Donc, mon ovule serait allé vers une famille que je ne connais pas et la donneuse de l'autre famille serait utilisée par mon ami à moi. Et je passais tous les tests, je voulais vraiment aider. J'étais avec un sentiment de vrai altruisme, aider quelqu'un d'avoir un enfant, une famille. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je passais le reste de ma vie avec le sentiment que j'ai un enfant quelque part que je ne connais pas et que j'ai une responsabilité envers cet enfant que je ne peux pas, pas respecter. Et je ne pouvais pas le faire. Et c'était une tragédie pour nous deux, parce que c'était comme la fin de son rêve d'enfant. Mais je ne pouvais pas le faire pour cette raison-là. Et ça m'a posé la question, mais en quoi cet enfant aurait été mon enfant? Ça serait que mon ADN. Pourquoi ce sentiment de lien tellement fort au point que je ne pouvais pas le faire, lié juste au gène? Et ça a lancé toute une carrière de réflexion sur ce sujet de génétique et identité. Merci. Je crois que les trois interventions ont vraiment lancé la discussion, ont montré qu'il y avait une grande diversité de problèmes autour de ces données génétiques et des problèmes de nature très très différente qu'il est nécessaire de considérer chacun dans leur spécificité et que l'étude de ces problèmes mobilise en fait des disciplines de sciences humaines et sociales, notamment différentes. En fait, dans les propos de mes collègues, on voit qu'il y a l'objet pour de la réflexion philosophique, pour de la réflexion juridique, économique, psychologique, sociologique et éthique, naturellement. Et en fait, c'est
le parti qu'on a pris à Nantes dans le programme qui est le programme Data Santé, dont le logo est quelque part sur les télévisions, de se lancer dans une étude interdisciplinaire sur le plan des sciences humaines et sociales. On essaye de mobiliser le plus de spécialistes possible de toutes les sciences humaines et sociales qui peuvent être intéressées par ces questions. Et donc, on prend comme objet des programmes de biomédecine, en général plutôt de notre région, et on les place au crible de l'analyse de ces différentes disciplines en parlant au maximum entre nous, en échangeant de toutes les manières que vous pouvez imaginer. Bref, on essaye d'animer un débat qui soit pluridisciplinaire, interdisciplinaire, autour des big data, parce que effectivement, on parle de données génétiques et on sait bien que ça nous amène très rapidement vers la quantité énorme de données que ça peut constituer, et nous sommes dans la question de ce fameux big data, on en parlera je pense par la suite, des données génétiques qui ne sont pas les seules données de santé, il y a également des tas d'autres données qui peuvent constituer les données de santé, et il faut considérer que tout ça vient constituer le big data. Évidemment, on prend en considération aussi les outils qui permettent de traiter ces données, qui sont des outils mathématiques et des outils algorithmiques, c'est tout le numérique qui permet à la fois de rassembler toute une partie de ces données et de les traiter, de les conserver et de les traiter. Et puis, tout ça a un impact considérable sur la médecine et notamment sur des perspectives. J'utilise un mot qui commence par P, le mot perspective, puisqu'il y a notamment la médecine personnalisée, mais la médecine prédictive aussi, la médecine préventive, la médecine participative, vous savez, ces fameux 4P qui sont affichés continuellement comme les quatre éléments qui composent, j'ose pas dire une révolution parce que c'est un mot qui n'est pas très facile à utiliser, mais une transformation profonde de la médecine. Mais il y a un autre mot qui est associé à la lettre P, c'est le mot promesse en fait, et avec cette nouvelle représentation de la médecine fondée donc sur des données de santé dont les données génétiques et des outils très puissants pour les stocker et les analyser, eh bien on produit des discours qui présentent une issue qui serait meilleure. C'est un discours très porteur de changement, porteur d'espoir, qui évidemment nécessite d'être analysé, débattu, critiqué, je suis bien d'accord, mais j'essaie de parler du discours général et du contexte dans lequel les politiques, les institutionnels et également des firmes commerciales eh bien, produisent une représentation nouvelle des possibles de la médecine. Donc des possibles qui sont théoriquement possibles, pas toujours facile à rendre réel d'ailleurs, beaucoup moins de réalisations effectives qu'il n'y a de possibles énoncés sur le plan théorique, mais il y a une frontière très complexe, très mouvante, très difficile à saisir entre ce qui est effectivement, ce qui est envisageable théoriquement à plus ou moins longue échéance et ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre en œuvre. C'est ce qu'on sera capable de mettre en œuvre demain, avec un discours général qui propulse chacun, tout le monde, les chercheurs comme les citoyens, vers un futur assez immédiat dans lequel on nous dit que tout sera transformé, qu'il faut absolument se précipiter vers cette transformation parce que on n'a pas le choix. On peut tout à fait faire confiance aux gens qui nous disent que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est déjà demain. Bref, c'est un discours sur un avenir qui serait nécessairement meilleur grâce aux moyens techniques, aux moyens scientifiques autour desquels on construit ce fameux discours de la promesse. Ça, c'est le premier mot, le mot promesse qui questionne beaucoup dans cette affaire. Il y a un deuxième mot qui me semble important et qu'on peut étudier sur le plan philosophique et sur le plan éthique aussi, c'est le mot intention. Certes, il y a une promesse, mais quelles sont les intentions qui sont contenues dans ces discours? Est-ce que ce sont des intentions qui sont des intentions de recherche, des intentions commerciales, des intentions politiques? C'est un des aspects du problème.
et ces intentions ne sont pas évidentes dans l'énoncé même de la promesse. Il faut travailler le contenu de la promesse pour révéler l'intention. Et enfin, il y a un troisième mot qui peut paraître finalement, avec le discours, par rapport au discours peut-être un petit peu négatif que j'ai pour le moment, mais démarrons comme ça et puis on verra si on peut remettre le curseur un petit peu plus dans un entre-deux, c'est le mot loyauté. Parce que finalement, on est confronté à une situation complexe, un avenir complexe, des données en grand nombre qui vont nous dépasser complètement très très rapidement, des outils qui sont d'une complexité faramineuse, on est au point pour certains de ne plus savoir comment ils travaillent et comment ils fonctionnent. Donc on doit faire confiance et on doit considérer que les acteurs de cette transformation considérable de la société et de la médecine, eh bien, vont respecter leurs engagements, et que nous aussi, d'ailleurs, dans cette affaire, on respectera nos engagements. Donc le troisième mot, c'est loyauté. Promesse, intention, loyauté. Il y a une trilogie, là, qui me semble contenir toute la complexité philosophique et éthique de cette affaire. Merci beaucoup à vous quatre. Je crois que vous avez fait une excellente introduction. J'appellerais peut-être le public à rebondir déjà sur cette introduction. S'il n'y a pas de questions immédiates, est-ce qu'il y en a peut-être parmi vous qui auraient des questions? Oui? Une question. C'est extrêmement complexe. On a vu avec les agents biologiques que les agents biologiques coûtent 10 à 20 fois plus cher que les médicaments classiques qu'on avait autrefois. Là, si on fait une médecine génétique personnalisée, ma crainte, c'est qu'on ait des traitements parfaits, mais que seule une minorité extrêmement riche pourra s'offrir. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire que pour faire le diagnostic, et là, on a maintenant accès à du séquençage d'exome ou de génome avec un coût qui a diminué de façon très drastique et qui est un coût, on va dire, abordable aujourd'hui. Donc, effectivement, pour faire le diagnostic, on va y arriver, on va pouvoir faire un diagnostic de précision pour une personne. Après, pour la question de la thérapeutique, oui, c'est ce qu'on voit pour les traitements de thérapie génique, par exemple. Hein, il y a notamment dans le domaine neuromusculaire, il y a des traitements qui sont commercialisés aujourd'hui avec des coûts qui sont extrêmement élevés, c'est vrai. Il y a une disparité suivant les pays aussi, hein, et la prise en charge. Nous, en France, on a la chance pour l'instant que les traitements, même s'ils sont très élevés, sont pris en charge, mais on sent qu'il commence à y avoir des réticences. Et il y a les indications. Je pense qu'avec les traitements qui vont se développer et les nouveaux traitements qui vont être commercialisés, on va arriver à un moment où on ne pourra pas assumer ça. Et donc après, ce sera une discussion avec les laboratoires. Est-ce qu'ils accepteront de diminuer le prix du médicament pour qu'on puisse les prescrire? Moi, j'avoue que personnellement, en tant que médecin, et les patients que je vois en consultation, si je dois faire le choix, ou dire aux patients, ben là, je ne peux pas vous prescrire ce médicament qui serait approprié, et puis sous réserve qu'il soit efficace, hein, bien sûr, parce que il n'y a plus de prise en charge, ça me posera un vrai problème, puisque je ne suis pas habituée à cette question-là aujourd'hui. Et éthiquement, ce serait très difficile pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à l'introduction? Sinon, j'aimerais peut-être... Oui, oui. Une autre question. Oui, c'est ça. J'aimerais peut-être remettre en scène un peu le cœur du débat un peu. Là. C'est au niveau de, premièrement, mise en scène. En 2018-2019, le commissariat de la protection de la vie privée
du Canada a conduit un sondage et puis qui révélait que environ 30 à 35 % des citoyens canadiens étaient extrêmement préoccupés à l'idée que l'utilisation simple de leur salive pouvait révéler leur information génétique et face à la façon dont étaient protégés ces renseignements génétiques. Bon, c'est quand même pratiquement un tiers de la population canadienne qui est extrêmement préoccupée. Et puis pour les autres, c'est 40% qui se disent peu préoccupés ou préoccupés. C'est seulement 15% de la population canadienne qui se disent aucunement préoccupés face à la gouvernance de, disons, l'information génétique. Le commissariat à la vie privée notait aussi, par rapport au sondage précédent, 2 ans auparavant, en 2016, une augmentation d'environ 7% de cette préoccupation chez les personnes qui sont préoccupées par le partage et la gouvernance et la collecte des renseignements génétiques des citoyens. Donc peut-être, comme idée, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous vous sentez, dans l'audience et parmi les panélistes, préoccupé par cette question personnellement de la façon dont présentement cette information génétique-là est utilisée, collectée, partagée? Est-ce que vous vous sentez extrêmement préoccupé, peu préoccupé? Est-ce que vous trouvez que les gens qui sont extrêmement préoccupés, c'est peut-être un peu trop, peut-être qu'on s'en fait un peu trop pour l'information génétique et puis on s'en fait pas assez pour d'autres types d'informations? Comment vous voyez cette perception du public par rapport à la gestion de la vie privée en lien avec l'information génétique? Et puis, est-ce que si c'est une perception exagérée ou alarmiste, est-ce qu'on doit lutter contre? Comment on fait? Je pense qu'il est intéressant de regarder ces données-là avec des données aussi qui ont été publiées par rapport à l'intérêt des gens pour les tests vendus directement aux consommateurs et qui démontrent, c'est surtout des études qui ont été faites sur un public américain, mais que la plupart des gens à qui on a posé la question sont intéressés par ces tests-là. C'est surtout pour des raisons de curiosité, mais il y a un intérêt. Donc, en même temps, il y a une certaine préoccupation au niveau de notre information génétique, au niveau des implications pour la vie privée, surtout quand on nous pose la question à froid comme ça. Mais en même temps, il ne faut pas non plus oublier cet élément de curiosité vers la nouveauté technologique qui nous est proposée par l'entremise de ces sites. Les gens sont intrigués, les gens veulent en savoir plus. Et je pense aussi que des fois, on se lance dans finalement les propositions qui nous sont offertes. Donc, par exemple, moi encore la semaine dernière, je parlais avec une journaliste justement qui voulait me poser des questions par rapport au fameux test distribué directement aux consommateurs. Et elle, ben, pour son article qu'elle préparait, elle s'était dit, ah, ben, finalement, ce que je vais faire, je vais le faire. Et donc, elle avait décidé d'envoyer un échantillon de salive à une compagnie comme ça, une des grandes. Et là, tout d'un coup, elle y avait déjà réfléchi à son geste quand on s'est parlé. Et là, elle m'a dit, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû le faire? Et au fur et à mesure qu'on en parlait entre nous, je voyais que le niveau d'angoisse et d'anxiété de la personne montait un peu, même si j'essayais de répondre de façon très nuancée à ses propos. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment cette personne-là est partie dans son expérience un peu à la légère en se disant finalement, ben, j'ai un article à écrire sur le sujet, pourquoi pas l'essayer, pour après se rendre compte que, bon, j'ai donné mon information. Où est-ce qu'elle est rendue, cette information génétique-là? Qui va pouvoir s'en servir? Est-ce que je vais avoir des problèmes d'assurance? Là, tout d'un coup, toutes sortes de questions circulaient. Donc, c'est très intéressant à voir.
Vous mentionnez l'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, dans votre discussion, qui l'ont amené à craindre un peu plus? Bien, elle avait entendu, évidemment, peut-être certains d'entre vous sont conscients, à travers les médias, ont été conscientisés à cette affaire du Golden Gate Killer aux États-Unis. C'est un meurtrier qu'on a réussi à retrouver à partir d'informations génétiques des sites où les gens pouvaient déposer leur ADN. Et bon, on n'a pas trouvé un match parfait avec son identité, mais on a trouvé quelqu'un qui était lié avec lui de façon suffisamment rapprochée pour qu'on sache que c'était un membre de sa famille éloigné. Et là, on a commencé à rétrécir finalement le cercle des recherches pour finalement mettre la main sur l'individu. Et bon, quand on voit comment ça s'est fait, cette recherche, le fait, par exemple, que les services policiers ont finalement soumis un échantillon trouvé sur les lieux du crime, mais en n'informant pas la compagnie que c'était le cas, en disant simplement, ben voilà, je soumets un échantillon, je veux en savoir plus sur mes origines, et puis si vous avez des gens apparentés à moi sur votre site, on voit un peu au point de vue éthique, comment ça peut déranger un peu. Et ensuite de ça, très rapidement, il y a eu des nouvelles publications dans les journaux scientifiques où des spécialistes du domaine ont dit « ben oui, ce qui vient de se passer là, c'est très facile ». Et on pourrait même retrouver 80% de la population nord-américaine caucasienne en utilisant une méthode similaire parce que on peut trouver des apparentés liés par leur profil biologique, finalement, à peu près 80% de la population caucasienne d'Amérique du Nord maintenant, du fait que tellement de personnes ont déjà participé à ces grandes banques de données. Jean, pour répondre à ta question par rapport à est-ce que c'est alarmiste exagéré ou est-ce que c'est une réaction appropriée? Je crois qu'il faut absolument introduire une distinction entre le contexte clinique et de recherche et ce contexte commercial. Il ne faut pas que le public soit trop anxieux par rapport aux tests génétiques qui sont faits par des gens comme Sandra dans un contexte clinique où il y a une gouvernance qui protège absolument les données médicales, il y a une obligation de confidentialité, c'est vraiment protégé. Et dans le contexte de la recherche, on peut toujours participer, après changer d'avis et demander aux chercheurs de retirer notre échantillon et ça sera détruit. Donc, il y a un niveau de protection dans le contexte clinique et recherche qui est bon, le mieux qu'on peut faire, mais c'est vraiment globalement suffisant. Peut-être que Yann voudrait ajouter des nuances, mais globalement, pas de raison, pas d'alarme. Mais, dans le contexte commercial, à mon avis, ces préoccupations sont absolument justifiées. Une étude qui a été faite il y a un an aux États-Unis a démontré que 40% de ces compagnies n'ont même pas de politique interne de protection de la vie privée des consommateurs. Ces données qu'on donne volontairement, pas seulement volontairement, on paie de l'argent pour donner ces données aux compagnies, sont après vendues aux autres. Et dès que c'est vendu, que c'est partagé, on perd pratiquement le contrôle sur nos données. Est-ce que c'est anonymisé? Oui, mais on peut facilement, relativement facilement, retracer la personne si on a assez de données sur la personne. Donc, en achetant ces produits, par curiosité, pour s'amuser, pour trouver un cousin en Inde, je ne sais pas pourquoi, on sacrifie vraiment un aspect important de notre vie privée sans le comprendre, à mon avis. On clique sur le site web, oui, je suis d'accord, mais qui lit les 20 pages d'informations sur la politique, s'il y en a, qui protège notre confidentialité? Donc, mon avis et mon conseil serait de ne pas le faire. Moi, je ne le ferai jamais. Donc, je ne vois pas ça comme alarmiste, mais non pas dans le contexte de médecine et de recherche, seulement dans le contexte commercial où on n'a pas encore des politiques développées pour nous protéger, peut-être en avenir. J'aurais envie de
Oui, peut-être, M. Tirard, pour relancer sur l'idée de... bon, vous parliez de la promesse, de l'intention et de la loyauté. Je trouve l'idée de la loyauté, quand on fait la distinction entre recherche clinique, on fait la distinction entre national, international, où on fait la distinction, par exemple, entre public, privé. Bon, est-ce qu'il n'y a pas là des différences au niveau de, bon, quel type de loyauté, de quel type de loyauté on parle, par exemple, ou de quel type de promesse on parle? Est-ce qu'il y a là un enjeu? Je pense qu'en utilisant cette trilogie, on voit bien que les tests génétiques qui vont être faits dans un contexte clinique, en termes de promesses, c'est-à-dire de réflexion sur ce qui va se passer ensuite, ça se passe avec le médecin, avec l'équipe qui fait ça. L'intention, elle est évidemment de soigner, c'est assez clair. Et la loyauté, c'est celle qui est à l'œuvre dans le cadre d'une relation entre le médecin et ses patients. Là, on voit que ça se passe très bien. Alors que, effectivement, dès lors qu'on est dans une relation qui est une relation strictement commerciale, en plus avec la jungle que peut être le web avec des officines qui sortent d'on ne sait où, qui sont structurées on ne sait comment sur le plan économique et juridique, eh bien effectivement, quid de la promesse, quid de l'intention et de la loyauté. Donc ça pose finalement un certain nombre de questions par rapport au public. Et là, je pense que peut-être que nos deux pays sont dans des situations différentes. Je pense qu'en France et en Europe, on a fait le choix définitivement de la réglementation et éventuellement des interdictions. Bon, les tests en ligne sont interdits. Et une réglementation de l'utilisation des données personnelles avec un règlement européen qui contrôle l'utilisation des données personnelles et au sein desquelles les données de santé ne sont qu'une catégorie finalement. Donc il y a une réglementation générale. Il s'avère qu'elle est en France mise en œuvre depuis un tout petit peu plus d'un an. Et de fait, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Il y a des plaintes qui ont été déposées, des condamnations qui vont voir le jour. C'est triste qu'il y ait des plaintes et des condamnations, mais ça veut dire qu'il y a un instrument et que du coup, chacun peut être à même de se défendre. Et ce règlement implique en fait toutes les personnes, même non firmes non européennes qui utiliseraient des données d'origine européenne. C'est-à-dire qu'une firme d'un quelconque pays qui mobilise des données personnelles européennes doit respecter la mise en œuvre de ce règlement, ce qui, au risque d'être sanctionné avec des taux d'amende qui donnent le vertige quand il s'agit des grandes firmes, des GAFA, bien entendu. Donc ça, c'est la dimension réglementaire. Et après, c'est-à-dire c'est ce qui peut être pris en compte à l'échelle des États ou à l'échelle de l'Europe, par exemple, en tout cas dans cet exemple-là. Et puis, il y a aussi la question de l'information, de l'explication. C'est-à-dire que, de fait, ce moment de réflexion avec cette journaliste qui, tout d'un coup, se rétracte et s'inquiète, parce qu'elle peut finalement discuter avec quelqu'un qui peut l'aider à réfléchir ou l'informer. Qu'en est-il du public, d'une manière générale, qui rencontre sur le net que le discours, finalement, des personnes qui veulent vendre quelque chose et qui vont vendre cette promesse qui, cette fois, est une promesse commerciale. Donc là, il y a un défi qui est un défi d'information, d'une part, et puis de formation. C'est évident, et je pense qu'il faut que certains s'en chargent, et je vois qu'ici, on s'en charge, puisque nous sommes là ce soir. À la fois sur comment peut-être interpréter les données, comment informer les patients, comment l'information est protégée. Donc, il y a beaucoup d'études à faire. Peut-être que j'irai tout de suite à une question. On a une question dans le public.
Et moi, je me demandais, que pensez-vous du risque de surmédicalisation des citoyens associé au fait que, bon, par rapport à notre génome, si on nous dit vous allez avoir telle maladie, vos risques d'avoir telle maladie sont ci, sont ça, puis que tout à coup, pour éviter l'apparition de ces maladies-là, mais une grande partie de la population soit médicamentée, alors que dans le passé, il ne l'aurait pas été. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, puisqu'il y a des risques associés à l'utilisation des médicaments. Je peux commencer. Justement, ça, c'est une grande préoccupation aujourd'hui par rapport à l'identification d'un variant qui est connu comme pathogène, donc responsable de la maladie, mais dans un contexte particulier, dans une famille. Donc, je vais, par exemple, prendre la prédisposition au cancer du sein. On est porteur de ce variant et qu'on a des antécédents dans sa famille de personnes qui ont été malades avec un cancer du sein, eh bien, ce n'a pas la même signification, finalement, si on retrouve ce même variant dans une autre famille où il n'y a pas d'antécédents familiaux. Alors, quelle est finalement l'estimation du risque pour cette personne-là? C'est quelque chose que finalement on n'a pas encore on n'a pas de données très fiables en population générale. Il y a par exemple une cohorte américaine qui s'appelle Welderly, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, ils ont fait du séquençage de génome sur des personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de maladie chronique, qui sont âgées de plus de 80 ans. Et ils ont regardé chez ces personnes-là certains variants, donc dans des gènes surtout de prédisposition au cancer. Donc, il y a une liste de gènes qui a été donnée comme des gènes actionnables, c'est-à-dire où on peut avoir des mesures de prévention ou des mesures de soins, qui a été, c'est une liste qui a été définie par l'American College of Genetics, pour les Américains. Sur cette liste de gènes, ils ont montré que dans cette cohorte-là, il n'y avait pas de différence de fréquence des variants par rapport à une autre population plus jeune, et donc qui pourrait être à risque de développer des maladies chroniques ou des cancers. Donc, finalement, on a aujourd'hui, et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez connu dans la population générale, et qu'il faut, pouvoir mieux informer, mieux former, qu'interpréter un variant génétique, c'est pas si simple, et qu'un variant qui peut être pathogène vraiment chez une personne et qui confère un surrisque, et donc là on va donner toute la prise en charge et les mesures de prévention nécessaires, eh bien, on va peut-être l'interpréter différemment dans un autre contexte chez une autre personne. Donc oui, il peut y avoir ce risque de surmédicalisation. Et il faut qu'on progresse aussi, nous, dans les données, et les données en population en général. Mais il faut bien que tout le monde puisse réfléchir à ça. Est-ce que l'enjeu vaut la peine de faire un test? Après, quelles sont les conséquences? Et j'en profite aussi pour rappeler... pour des personnes qui sont à risque de développer une maladie à l'âge adulte, mais qui n'ont pas de signes. On parle de diagnostic présymptomatique. Et donc, nous, ça, c'est des consultations qu'on fait vraiment régulièrement au quotidien, où on prépare la personne qui connaît la maladie dans sa famille, hein, puisque là, il y a un antécédent. On va la préparer, donc on va lui expliquer bien la génétique, lui expliquer la maladie, en plus de ce qu'elle connaît déjà de son vécu familial. Un exemple. Alors, l'exemple phare dans le diagnostic présymptomatique, c'est la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative, qui arrive à l'âge adulte et qui est une maladie extrêmement grave. Et souvent, le vécu familial est vraiment lourd et vraiment difficile. Et c'est une maladie dominante, donc il y a un risque sur deux de transmettre l'anomalie génétique à sa descendance. Et donc nous, on va voir arriver des personnes qui ont 20 ans, 30 ans, et qui vont nous demander de faire le test génétique, ce qui est un test relativement simple, hein, c'est sur une prise de sang, pour savoir s'ils sont porteurs de l'anomalie génétique ou pas. Alors pour la maladie de Huntington, ce qui est un petit peu
particulier, c'est que en fonction du test génétique, on va savoir s'ils vont développer la maladie, oui ou non. Alors que pour la plupart des maladies, comme par exemple prédisposition au cancer, il y a un risque augmenté, mais on n'est pas... Oui, pour les prédispositions au cancer, il y a un sur-risque, mais ce n'est pas obligatoire que la personne développe la maladie. Mais dans la maladie de Huntington, on dit une pénétrance qui va être complète. Donc la personne va exprimer la maladie ou pas. Et donc là, on va vraiment faire très attention à préparer la personne, donc avec la consultation génétique, la consultation avec le neurologue, avec un délai de réflexion qui va être assez long, de 2-3 mois, plus si la personne n'est pas encore prête. Des entretiens avec la psychologue. Vraiment, nous, notre rôle, c'est pas d'interdire à la personne de faire le test, c'est de la préparer pour qu'elle prenne conscience des bénéfices, mais aussi des risques, des inconvénients, de faire le test pour elle-même. Et est-ce que c'est le bon moment pour elle de faire le test? Des risques psychologiques Des psychologiques. Alors pour cette maladie-là, on n'a pas de traitement préventif. Hein, donc l'intérêt médical aujourd'hui, il est nul. Puisque c'est pas ça va évoluer si on a un traitement efficace qui à l'avenir, si on trouve un traitement curatif, voilà, on verra les choses un peu différemment, hein. La balance va pencher plus vers l'intérêt médical, mais une personne qui a 20 ans ne va pas, voilà, on va pas pouvoir lui proposer quelque chose pour empêcher que la maladie va survenir. Et par rapport au risque de transmettre à sa propre descendance, on a des moyens de contourner ça et que la personne ne connaisse pas son risque et ne transmette pas par ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire d'exclusion, ce qui est un peu particulier. Mais voilà, on prépare cette personne vraiment, comme je vous disais, à avoir ce risque. Elle a eu toute l'information adéquate pour pouvoir faire le choix si elle veut faire le test ou pas. Et là, on se retrouve avec des tests qui vont être... donc les tests en ligne proposent hein, de rechercher des susceptibilités à certaines maladies. La personne n'est pas préparée, elle n'a pas eu toute cette information-là, elle n'a pas eu ce temps de réflexion nécessaire. Et en plus, le résultat va lui être communiqué... froidement par mail, il n'y aura pas d'interprétation par rapport à sa famille, à elle, et puis les conséquences psychologiques. Donc ça pour moi, ça m'inquiète beaucoup. Avant, peut-être, j'aimerais juste m'assurer que parmi l'audience, quand vous avez des questions, vous levez la main automatiquement, puis on va aussi vous encourager à vous exprimer. Oui. C'est vraiment très, très intéressant, toute cette information. Moi, la question que je me pose sur ces tests qu'on fait justement pour savoir qu'est-ce qui va en être de notre avenir au niveau de la santé, etc., et qui peuvent apporter des résultats qui sont peut-être effrayants au départ. Mais dans quelle mesure, d'abord, dans le temps, on ne sait pas quand est-ce que la maladie va se déclarer. Donc, elle peut se déclarer à 40, 50, 60. On a le temps de vivre largement et convenablement. On a le temps de mourir d'un accident. On a le temps de vivre tout en santé jusque-là. Alors, je me demande jusqu'à quel point, comment est-ce qu'on peut légiférer tout ça? Parce que c'est bien beau d'avoir l'information, mais quand vous dites, oui, effectivement, vous aurez la maladie de petite tonne, c'est ça? Mais quand est-ce que ça va? Est-ce qu'on est capable, avec la science d'aujourd'hui, de dire ça sera dans 10 ans? Et puis même, est-ce que c'est vrai? Il y en a à qui on promet de mourir une année et puis ils vivent 5 ans de plus. Alors, quel est le niveau de sécurité par rapport à tous ces résultats? Ben, justement, c'est de tout ça, de cette incertitude qu'il faut discuter avec la personne pour savoir si, pour cette personne-là, il y a un intérêt pour personnel à connaître son résultat, son test génétique ou pas. Je suis sûre qu'il y a un intérêt, mais c'est dans le temps. Eh bien, il n'y a pas forcément. Il n'y a pas forcément un intérêt. Après, on est tous différents. Chacun a sa personnalité, sa sensibilité. Et il y a des personnes qui, et la plupart d'ailleurs, ne souhaitent pas, pour la maladie de Huntington, ne souhaitent pas faire le test. Et
pour les, donc là j'élargis un petit peu, mais pour les personnes qui viennent pour nous pour un diagnostic présymptomatique, donc ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes, oui, je suis décidée, je vais le faire tout de suite, je vais faire le test tout de suite. Non, vous allez avoir un délai de réflexion, vous allez voir la psychologue, et moi, c'est vivement recommandé, mais moi j'impose quasiment. Et on a vu des personnes qui étaient très très motivées pour faire le test, et au final, qui se sont rétractés parce qu'il y avait eu cette prise de conscience. Et je pense que ça revient un petit peu à ce que la journaliste était en train de mesurer aussi toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir, qu'il n'y avait pas eu cette réflexion au départ, et d'aboutir finalement au choix qui correspond à cette personne. La maladie de Huntington est un exemple phare, comme Sandra dit, parce que c'est une de ces maladies où, si on a la mutation, on va tomber malade, et dans un cadre de temps relativement connu d'emblée. C'est pour ça que c'est un exemple tellement particulier. Pour la plupart de ces tests pré-symptomatiques, il s'agit d'un risque. Et le concept de risque, il y a énormément d'études qui démontrent à quel point ce concept est complexe. Personnel, culturel. Alors, je vous pose la question. Si je vous dis maintenant, vous avez un risque de 1 sur 100 de tomber malade d'ici un an. Pour qui, parmi vous, c'est considéré, pour vous personnellement, risque élevé? Wow, personne. Sauf le médecin généticien. Maintenant, je vous pose la même question, mais c'est votre bébé, vous êtes enceinte, il y a une grossesse, un bébé va naître. Un risque de 1 sur 100 que votre bébé sera affecté par une maladie grave. Risque élevé ou non? Alors, je vous ai donné les mêmes chiffres, mais la perception du risque a changé. Et en effet, quand on parle dans le niveau clinique de risque élevé pour les femmes enceintes, on parle de 1 sur 200, c'est déjà risque élevé. Pourquoi? Bon, c'est toujours arbitraire, c'est une question un peu culturelle, un peu historique. Mais le concept de risque est extrêmement difficile à interpréter au niveau personnel individuel. Les premières études sur le séquençage du génome complet, les personnes qui étaient séquencées, où on connaît tout le génome, ont démontré que chacun de nous porte quelques variants. Chaque personne dans cette salle porte quelques variants liés à un risque à risque quelconque d'une certaine maladie. Et donc les philosophes de la science ont commencé à parler de l'impact de ces tests qui fait de nous tous de pré-patients. On est tous à l'attente d'une maladie. Qu'est-ce que ça fait pour l'identité, l'anxiété? Si on connaît tous les risques, on vit en attente de quelle maladie sera la première à apparaître, quel sera le niveau de gravité de cette maladie, comment est-ce que ça va, et est-ce que c'est comme ça qu'on a envie de vivre? Donc ça, c'est une autre question que je pose à nous tous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Sur le sujet du risque, Sur le sujet du risque, on comprend bien que l'information génétique peut avoir une valeur, mais réellement, qui a la capacité de traiter une donnée, d'interpréter? Est-ce qu'il y a un niveau de... Par exemple, une donnée entre mes personnes comme un numéro de carte de crédit, c'est plus facilement exploitable qu'un séquençage d'un génome entier d'une personne. Est-ce que la valeur, en fait, est plus le fait de le lier aussi à le style de vie? Est-ce qu'on fait de l'activité, des choses comme ça, par exemple pour les assurances qui après nous font assurer pour des choses? Est-ce que l'information génétique pure en tant que telle, c'est quoi le risque vraiment que les gens l'utilisent ou l'exploitent, vraiment, entre guillemets, et qui est la capacité vraiment de l'interpréter, de l'exploiter à des mauvaises fins, entre guillemets. Donc, votre question, c'est qui a cette capacité, qui a le pouvoir, peut-être? C'est une information quand même très complexe, oui, c'est pas la portée de n'importe qui non plus. Il y a parfois des informations personnelles, comme un vol d'identité avec un nom prénom. Je voudrais juste un peu entendre sur ce sujet-là. Monsieur Ferrand, est-ce que vous vouliez peut-être compléter sur ce que Mme Riesler avait déjà dit à François dans le propos? Je voulais revenir en fait sur la question de la dame tout à l'heure qui parlait le risque, le mot utilisé dans un autre sens, de surmédicalisation. En fait, je pense que le débat montre bien une chose, c'est qu'il y a des possibles aujourd'hui, on peut utiliser un certain nombre de connaissances, un certain nombre de techniques, faire des tests génétiques dans un contexte, c'est un contexte médical.
médicale. Et Sandra a expliqué comment, à ce moment-là, on arrive à maîtriser tous ces outils, les connaissances qui vont avec, et à offrir le meilleur contexte possible pour que ces informations qui peuvent être très, très, très compliquées à recevoir soient émises. Et le risque n'est pas la surmédicalisation, parce que si c'est pris en charge en milieu hospitalier, par exemple, bien, on peut se dire que ça se passera le mieux possible, mais le risque, c'est la pseudo-médicalisation, c'est-à-dire quand on offre prétendument le même service en dehors de ce contexte-là, et que l'information arrive n'importe comment, et on ne sait même pas d'ailleurs comment elle a été produite, les tests, on ne sait pas comment ils sont faits. Donc c'est plutôt, s'il y a une tension importante à identifier aujourd'hui, c'est la tension entre ce qui peut se passer dans l'usage le plus raisonné, le plus maîtrisé possible de ces outils, et l'usage, sauvage qu'on peut en faire à l'extérieur d'un lieu dans lequel on est compétent pour les utiliser. Voilà. Éventuellement, les mauvaises interprétations, entre autres. Tout peut être imaginable. Peut-être en réponse à la question, est-ce que M. Gelou voulait répondre à la question de l'autre? Oui, puis peut-être lancer le débat de façon un peu controversée, mais moi, j'ai l'impression qu'on va vers un débat où vraiment on divise le monde en deux et il y a les intérêts privés d'un côté, les intérêts publics de l'autre, et là, on semble vraiment voir très négativement l'utilisation d'informations génétiques par les intérêts privés et voir que ça se passe de façon très responsable du côté public. Je pense qu'il y a certainement, il y a du vrai là-dedans, mais il y a aussi, et je le crois sincèrement, des compagnies qui font de la vente directement aux consommateurs qui essayent d'avoir des pratiques robustes et qui contribuent à leur façon à la recherche en génétique. Il y a des compagnies aussi pharmaceutiques, biopharmaceutiques, qui développent des médicaments, un domaine dont on n'a pas encore parlé ce soir, mais qui est un des domaines les plus avancés, je dirais, en génétique, c'est la pharmacogénétique, où on va justement développer ces médicaments de précision. C'est les compagnies privées qui les développent, ces médicaments de précision, à cause du coût des essais cliniques. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas espérer complètement bannir l'information du secteur privé pour la bonne raison qu'on a besoin du secteur privé pour faire certaines choses. Donc, je pense que c'est plus au niveau de comment réguler l'utilisation qui est faite dans l'espace privé. C'est là où se situe vraiment le défi, parce que c'est pas tant la prohibition que la régulation, selon moi, la solution. Et pour répondre rapidement à la question par rapport à qui pourrait être intéressé à exploiter les données génétiques, bon, en dehors des exemples très, très limités dont on a discuté, c'est sûr que pour un assureur, les assureurs fonctionnent de façon un peu différente d'un clinicien. Ils fonctionnent avec des tableaux statistiques qui vont leur indiquer. Ces tableaux statistiques-là sont développés depuis des années, sont donc assez relativement fiables pour leur donner l'espérance de vie de gens selon certains facteurs de risque que les gens vont divulguer à l'assureur. L'assureur n'a aucun intérêt à avoir votre séquence génétique complète. Parce que pour un assureur, premièrement, ça coûterait beaucoup trop cher à interpréter et il y a beaucoup trop d'imprécisions là-dedans. Ce que l'assureur va cibler, il va cibler encore là l'information génétique qui lui dise avec une quasi-certitude que quelqu'un va décéder de façon précoce. Et c'est là, c'est pour ces cas-là où il faut penser à protéger les gens puis à s'assurer que ces personnes-là qui sont génétiquement plus à risque parce que le niveau de connaissance ou leur profil génétique comporte certaines mutations particulières, c'est là où il faut faire un peu plus attention. Et c'est pareil pour d'autres domaines où on voudrait utiliser l'information. Une exception étant l'utilisation d'informations génétiques, comme on en a parlé plus tôt ce soir, pour identifier les gens. Alors là, bien, toute donnée génétique peut être potentiellement utilisée pour identifier quelqu'un de façon unique et pour le retracer dans une base de données.
Donc ça, ça peut se faire avec un minimum de données génétiques. Merci. Donc j'imagine, c'est ça, on a parlé du domaine de la recherche, du domaine de la clinique, on a parlé des assureurs, des compagnies privées aussi. Je pense qu'on voit qu'il y a plusieurs types d'intérêts, au niveau d'intérêt envers l'information génétique des citoyens. Est-ce qu'il y en a qu'on sous-estime peut-être? J'entendais parler de peut-être même dans le domaine de l'immigration, est-ce qu'on emploie dans d'autres domaines de secteur de vie? Dans le domaine de l'immigration, oui, ça s'est fait. On le fait au Canada. Encore là, c'est l'aspect identifiant des données génétiques qui intéresse les autorités d'immigration. C'est-à-dire, on va chercher, par exemple, dans le contexte du parrainage, quelqu'un qui a donc immigré, qui a la citoyenneté et qui veut parrainer un enfant, si on a des doutes par rapport aux papiers qui sont fournis pour supporter la demande de parrainage. C'est arrivé, et c'est une pratique administrative de citoyenneté et immigration et des services frontaliers de demander alors à la personne de suggérer un test génétique. Donc oui, ça se fait. Et on a eu des cas où il y a eu un peu des pentes glissantes où on a essayé d'utiliser des services directement aux consommateurs pour vérifier l'origine des gens. Donc là, on allait encore plus loin. Bon, évidemment, on a l'impression des fois qu'on encore là, autant comme on parlait pour le public que c'est attirant la nouveauté, c'est aussi attirant pour le gouvernement et pour les services policiers, pour différents services, donc aussi au niveau de l'immigration. On se dit, mon Dieu, ça va être une preuve parfaite comme quoi une telle personne n'est pas liée biologiquement avec la personne dont on dit c'est mon fils, c'est mon enfant. Donc là, on pense qu'on a mis la main sur une façon parfaite de faire notre preuve. La tentation est grande de s'en servir et on veut le faire rapidement. Donc souvent, on ne se pose pas encore là toutes les questions qu'on devrait peut-être se poser. Et c'est là que c'est un peu dangereux. C'est quand on est pressé d'utiliser cette information-là sans se donner le temps de réfléchir finalement à toutes les implications de ce qu'on fait. Oui, ensuite, on va passer. Permettre aux gens d'offrir un test pour confirmer paternité, maternité, c'est une chose. Mais on peut aussi exiger un tel test pour établir un lien familial. Ce qui est fait aux États-Unis est extrêmement dangereux parce que ça veut dire que c'est la seule façon de construire une famille. Et on sait bien qu'il y a des enfants adoptés, il y a des enfants conçus par don de sperme ou don de gamètes, par mère porteuse. Il y a aussi des cas d'infidélité où le conjoint n'est pas conscient du fait qu'un enfant élevé comme un enfant génétique n'est pas en effet un enfant génétique. Donc tous ces tests, quand ils sont exigés, peuvent faire exploser des dynamiques familiales et créer des situations éthiquement extrêmement complexe. Donc l'idée que le gouvernement puisse exiger ce type de test et que ça c'est pas fait par demande du citoyen, mais c'est une exigence qui vient du haut, pour moi c'est vraiment un cauchemar. Quand on propose un test génétique et qu'on vous dit on vous propose un test génétique pour confirmer votre paternité de l'enfant X, parce que les documents que vous nous avez fournis viennent de Somalie. En Somalie, il y a une guerre civile et donc il y a beaucoup de faux documents qui circulent. Donc, on ne peut pas avoir confiance en vos documents. On vous propose donc de passer un test génétique pour démontrer votre paternité. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une proposition? C'est... Bon, quelle est l'alternative? Oui, on avait une question. On parle beaucoup de génétique depuis tantôt, mais j'ai entendu au début du débat le mot épigénétique. Puis je voulais, alors peut-être pour les personnes qui connaissent un peu moins l'épigénétique, de définir rapidement c'est quoi, puis à quel point ça, on est où dans l'état des choses sur l'interprétation de données épigénétiques, puis à quel point ça pourrait avoir un impact dans le milieu à la fois médical ou grand public. Charles. Moi, je ne suis pas invité comme panéliste ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, je pourrais répondre à cette question. Je ne sais pas si je vais vraiment y répondre.
où on est présentement en train d'essayer de comprendre, premièrement, quels seraient les risques possibles similaires à l'information génétique ou différents de l'information génétique en termes de protection de la vie privée, entre autres, et en termes possiblement aussi, de, par exemple, l'utilisation de l'information épigénétique dans l'assurance. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui est l'épigénétique, eh bien, c'est l'étude des mécanismes biochimiques qui permettent de réguler l'expression des gènes de façon un peu différente d'une personne à l'autre, même si deux personnes peuvent avoir le même gène, eh bien, ça ne veut pas dire que ça va se traduire dans la même composition biologique dans chaque personne ou au même risque de développer certaines maladies. Donc, ces différents risques épigénétiques peuvent être dus à l'hérédité génétique, mais peuvent aussi être dus à des expositions environnementales, sociales, polluantes, par exemple, à des habitudes de vie aussi, l'exposition de la cigarette à l'alcool. Donc, il y a toute une série de questions en lien aussi avec la vie privée qui se posent, donc en lien évidemment avec... est-ce qu'on peut utiliser cette information qui vous appartient, cette information épigénétique, pour prédire certaines maladies ou certains de vos risques de développer certaines maladies, mais également pour révéler certaines de vos habitudes de vie ou de révéler certaines de vos expositions passées. On peut parler de polyamide, on peut également parler de stress post-traumatiques qui ont été associés à des modifications épigénétiques. Donc, je m'arrêterai peut-être là pour ne pas prendre la place des panélistes, mais effectivement, peut-être que je vous relancerai sur cette question en même temps. On pourrait poursuivre un petit peu là-dessus. Est-ce qu'on accorde une importance exagérée justement à la protection de la vie privée dans le monde de la génétique, ou est-ce qu'il y a d'autres technologies alentour de la génétique qui s'y apparentent et puis qui peut-être mériteraient une attention accrue, comme on peut penser à l'épigénétique, sans dire qu'on aurait dû le faire avant parce que bon, la science progressait plus tard que la génétique en épigénétique, mais on peut penser à la protéomique, on peut penser à la métabolomique, on peut penser même à l'extérieur de tout ce qu'on appelle omics, le microbiomique, on peut penser aussi à la reconnaissance faciale, on peut penser à la neuroscience. Donc, est-ce qu'on fait preuve d'une attention exagérée envers le monde de la génétique? Je pense que déjà, c'est les études génétiques, c'est ce qu'on peut faire en routine plus facilement. En tout cas, je ne sais pas après ici si c'est plus simple, mais les études épigénétiques d'une personne, c'est quelque chose qui va arriver à l'avenir. Mais la question aujourd'hui, c'est plus la génétique. Mais il va falloir se poser la question, bien sûr. Il vaut mieux se la poser maintenant. Après, la différence aussi, c'est que la génétique, le code génétique d'une personne ne change pas. Alors que son épigénétique, ça, tout ce qui est métabolomique, protéomique, etc., ça, c'est des choses qui peuvent changer au cours de la vie. On a parlé de l'environnement, de l'hygiène de vie, etc. Je pense qu'il y a cette notion dans la génétique de quelque chose qui est stable dans le temps, et donc si on l'analyse à un temps donné, eh bien voilà, on a cette information qui va être stockée, qui va être conservée, puisque maintenant on a les moyens de le faire pour toute la vie de la personne. Il y a peut-être cette nuance là aussi, il y a quand même cette nuance là, je pense. Après, oui, moi je dois dire que j'ai un petit penchant contre ce qu'on appelle l'exceptionnalisme génétique, c'est-à-dire la philosophie ou la théorie selon laquelle l'information génétique est unique et spéciale et devrait être protégée de façon exceptionnelle. Pourquoi? Parce que je pense qu'on vit dans un monde où on est en train de passer, pas aussi rapidement qu'on le voudrait, mais néanmoins, on est en transition vers une médecine préemptive, vers une médecine où on va plutôt empêcher le développement des maladies
que réagir aux maladies. Et dans cette médecine, on va avoir à jouer avec toutes sortes de données prédictives. Et il n'y a pas que la génétique qui amène cette information prédictive. Toutes sortes de choses, des tests de cholestérol, par exemple, le fait que certains membres de votre famille proche ont certaines maladies qui pourraient être contagieuses, bien, ça veut dire que vous avez peut-être plus de chances de les avoir. Toutes sortes de choses comme ça vont amener de l'information prédictive. Le fait que vous pratiquez certains sports à risque, etc. Tout ça entre dans la partie et l'épigénétique aussi. Alors, à ce moment-là, oui, l'information génétique a certaines caractéristiques qui lui sont propres, comme d'autres types de données prédictives ont certaines caractéristiques qui vont leur être propres. Et si on voit que ben, ces caractéristiques-là nécessitent un niveau de protection plus élevé, allons-y. Mais de là à faire vraiment quelque chose d'exceptionnel de la génétique, je pense qu'il y a un risque. De faire ça. Il y a un risque que les individus deviennent de plus en plus stigmatisés à cause de leur profil génétique, qu'on se trouve justement dans un monde où la génétique va occuper une place beaucoup trop prédominante par rapport à ce qu'elle nous permet de faire, en tout cas pour l'instant. Je suis absolument d'accord avec Yann que la génétique n'est pas si exceptionnelle que ça, mais moi je voudrais jeter une autre lumière sur cette question. Est-ce qu'on est en train de vivre une perte du concept de la vie privée? C'est-à-dire, il y a le partage de nos données génétiques avec les compagnies, il y a le partage de tout ce qu'on fait sur les médias sociaux, il y a le fait qu'on élève des enfants avec Siri ou Alexia ou Google ou des machines chez nous qui peut-être nous écoutent tout le temps, et tout ça sert les mégadonnées. Donc, c'est-à-dire que la société de demain est une société qui va faire le profit surtout sur la base de données collectées sur nous tout le temps. On porte de machines qui comptent nos pas, qui tracent ce qu'on mange, combien d'heures on a dormi. Tout est détectable, tout est détecté. On fait ça volontairement pour mieux vivre, mais finalement, on partage sur nous-mêmes comme on n'a jamais partagé, et tout ça est gardé sur des plateformes qui n'existaient pas avant. Et je regarde mes jeunes enfants qui grandissent dans un monde où la vie privée est un peu un concept d'hier. C'est déjà un peu mort. Ils n'ont aucune attente de vie privée. Donc je me demande si c'est vers cet avenir qu'on est en train d'aller ensemble, ou est-ce que ça vaut la peine encore d'essayer de créer des politiques et des structures de gouvernance pour protéger quelque chose qui est en train de mourir de toute façon? On a effleuré à plusieurs reprises toutes les questions de régulation. Ça, justement, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait dans des régulations ou que vous avez observé qu'il y a qui est adéquat pour la génétique? Parce qu'à certains moments, on a fait des lacunes là, dans les régulations. Donc. Bien, je pense que, comme je le disais, l'information voyage, pas juste l'information génétique, mais le big data en général, ça s'internationalise. L'information circule énormément. Et donc, le problème avec le droit et les régulations, surtout quand on parle des droits positifs, c'est un droit national. Alors, bon, ben, dès que les données passent à un autre pays, et c'est fréquemment le cas en recherche, que ce soit dans le secteur privé ou public, ben, on tombe sous une autre juridiction avec des fois des règles complètement différentes. Donc, j'aimerais voir plus de consensus internationaux se développer par rapport à des façons de protéger les données, par rapport à des utilisations qui ne devraient pas être faites des données, et aussi à la façon dont les droits de l'homme pourrait justement jouer un rôle pour mieux protéger les individus dans le contexte de toutes ces nouvelles données prédictives. Oui, madame, c'est pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez au niveau de la vie privée et du fait qu'aujourd'hui, nos enfants n'ont pas du tout la même conception que nous de la vie privée. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur les dangers de ça? C'est-à-dire, quels sont les risques, aussi élevés qu'ils soient, justement, de ne plus avoir autant de vie privée?
maintenant sur la vie publique. J'aimerais savoir, bon, savoir un peu plus, parce que si ça ne les effraie pas, c'est qu'ils ne le voient pas, ce danger-là. D'après vous, qu'est-ce qu'il en est? Au niveau psychologique, je trouve que notre génération, qui a encore l'habitude de la vie privée, on est souvent dérangé par la manière dont on est ciblé sur la base de mégadonnées, que ce soit par les avertissements. Ou... Ça, c'est au niveau très psychologique. Mais au niveau des informations génétiques, épigénétiques, de génétiques de microbiome, on peut être identifié et discriminé d'une nouvelle manière. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause de quelque chose qu'on a fait, ce n'est pas quelque chose qui est sous notre contrôle, c'est juste qui on est, comment on est né. On peut ne plus avoir accès aux services, aux opportunités, et comment créer une gouvernance qui nous protège, mais en même temps qui permet à la génétique de faire son travail. Je viens d'entendre dans une conférence l'histoire d'un jeune homme qui a été identifié comme porteur d'une mutation qui fait qu'il est à risque très élevé d'avoir une crise cardiaque. Et c'était un pilote d'avion. Donc, qui a dans sa main la vie de plusieurs personnes et qui peut à tout moment perdre la capacité de faire son travail. Est-ce que c'est juste de le révéler pour la protection des autres? Donc, on fait face à des dilemmes qui sont très, très réels, mais en même temps, le fait que la capacité de ces données de faciliter une discrimination à grande échelle, de créer des groupes qui n'ont plus accès à l'assurance ou aux services, ça, donc, c'est pas clair. Il y a des cas où c'est justifié, mais comment est-ce qu'on va créer en tant que société, les cadres conceptuels pour distinguer les cas justifiés des cas discriminatoires, ce n'est pas évident, mais c'est le travail de Yann. Merci. Alors, notre question dans l'audience? J'ai une formation en bioéthique et une certification internationale dans la protection de la vie privée. Et jusqu'à là, une couple d'années, je croyais vraiment à ce que l'information génétique de chacun devrait être protégée à 100%. Jusqu'à temps que je devienne atteinte d'une maladie rare. Et comme la plupart des membres de la communauté de patients de maladies rares, nous avons l'aspect de prioriser la prévention des maladies pour les autres ou pouvoir aider les autres patients qui sont atteints avec ces maladies. Fait que nous avons volontairement dit sur les médias sociaux que nous avons ces maladies, donné des informations génétiques pour la recherche. Et je crois que ça change énormément la donne quand nous sommes atteints de ce type de situation-là ou dans la famille. Je voudrais voir si vous avez des expériences avec vos recherches ou avec vos, surtout en hôpital, d'avoir vu le même type de changement de réaction. Moi, je l'ai vu de la part de patients qui voulaient participer justement à des recherches par rapport à des maladies rares pour qu'on réussisse à trouver, par exemple, le gène qui causait leur maladie et tout ça. Et la recherche était malheureusement bloquée pour des questions de vie privée. Et là, on se retrouvait dans une situation, et ça retouche un peu à ce que Verdit nous disait, il faudrait être capable d'identifier les cas où on a besoin de plus de protection, où on a besoin de plus de réglementation, des cas où, au contraire, et oui, des abus de vie privée, de procédure pour défendre la confidentialité puis la vie privée. Il y a beaucoup d'exemples, malheureusement, en génétique, où ça a fait plus de dommages que de positif. Un autre exemple qu'on peut citer, en ce moment, pour faire de la recherche avec des données médicales au Québec, c'est extrêmement ardu. À quel point où c'est tellement complexe de demander l'accès aux données que nos chercheurs sont obligés d'aller ailleurs. Et donc, on va faire de la recherche avec des données qui viennent de Scandinavie, où on a des règles d'accès aux données beaucoup plus faciles. Et bon, vous pourriez me dire, mais quel est le problème avec ça? Les gens de Scandinavie vont courir les risques, puis nous, on aura les bénéfices. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si on fait des études génétiques sur des gens qui proviennent de Scandinavie, on va avoir des résultats génétiques qui vont s'appliquer à ces groupes de population-là en priorité. Et donc, oui, l'accès aux données, tout comme la protection des données
est très importante. Le bon accès aux données pour la recherche et pour les soins est aussi extrêmement, extrêmement important. Et dans le cas des maladies rares, tout à fait, on l'entend et les patients, on entend la voix des patients qui disent, bien, mettez-la de côté notre vie privée, on veut contribuer, on veut comprendre ce qu'on a. Ça devrait être écouté, absolument. Par rapport à ce point-là, l'ISQ a lancé le 17 juin 2019 un guichet de service pour faciliter l'accès à des données de santé pour la recherche. Je ne sais pas quels seront les impacts pour la recherche, mais seront désormais accessibles des renseignements de santé de cette façon-là pour les chercheurs. Il faut formuler une demande à l'ISQ dans ce cas-là. Oui, c'est un pas dans la bonne direction. Il reste à voir comment ça va être implémenté. Le futur nous le dira, mais effectivement, c'est un pas dans la bonne direction. Après, juste pour compléter, mais en France, on a une réglementation qui a l'air peut-être un petit peu plus stricte. Et on demande évidemment à tous les patients qui vont rentrer dans une étude de recherche, il y a une information spécifique, un consentement spécifique. Mais à partir de là, moi, je ne vois pas tous les patients qui souhaitent participer aux études de recherche et qui suivent cette procédure-là, participent, s'ils le souhaitent volontiers. C'est très réglementé, donc il n'y a pas vraiment d'atteinte à la vie privée. En tout cas, je ne le perçois pas de la même façon, peut-être que ça peut être ici. On parle, je pense, de la possibilité de mettre des informations qui ne seraient pas anonymisées, de pouvoir les disséminer librement. Parce que, par exemple, pour des patients qui ont des maladies orphelines, l'intérêt est encore là de trouver d'autres patients qui ont des cas similaires aux leurs. Et, bon, on sait que les régimes de vie privée font la différence entre une information qui est anonymisée, c'est-à-dire dont on ne peut pas sans grande difficulté établir la provenance versus une information qui est mise de façon complètement ouverte où là, on sait exactement le nom, l'identité de la personne d'où l'information provient. Et c'est là que c'est un peu plus difficile, je pense, d'échanger les données pour les gens qui sont donc atteints de maladies rares ou participent à ces projets. Moi, je veux juste porter un commentaire. Tout le monde le sait que je m'intéresse énormément à la protection de la vie privée. Puis, je trouve ça malheureux, effectivement, que des gens aient à mettre leurs renseignements personnels sur le web pour pouvoir se trouver un groupe de recherche qui va s'occuper de leurs maladies rares. En même temps, je pense qu'il y aurait moyen de faire de la recherche sur des maladies rares sans que les gens aient à s'exposer sur Facebook. Donc, je pense que dans l'équilibre entre le droit à l'information et le droit à la vie privée, autant les citoyens que les chercheurs doivent trouver une façon de faire qui est éthiquement acceptable pour tous. Parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que la protection de la vie privée, à mon sens, en tout cas, est à la base de la démocratie. Et c'est un droit fondamental. Il ne faut pas le perdre de vue. Fait que je pense que c'est de part et d'autre de trouver des façons de faire qui vont permettre cette recherche-là, qui vont permettre aussi aux compagnies pharmaceutiques de financer ces recherches-là qui souvent ne sont pas très alléchantes pour eux parce qu'une maladie rare, s'il y a trois cas au Québec, ils ne feront pas beaucoup d'argent avec vous, fait qu'ils n'ont peut-être pas envie de financer ça. Fait que finalement, en tant que société, on peut peut-être prioriser certaines maladies rares aussi puis valoriser cette recherche-là, mais dans un contexte où on peut encore protéger la vie privée. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à cette... j'ai envie de mettre en lumière encore plus ça, là, ce débat là, qui semble survenir tout d'un coup entre protection de la vie privée. Qu'est-ce que c'est d'abord la vie privée? Est-ce que c'est un objet qui... est-ce qu'on parle de protection on parle de... C'est quoi la vie privée? Et puis, est-ce que quand on veut protéger la vie privée, en fait, qu'est-ce qu'on veut protéger? On veut protéger l'information? On veut protéger les conséquences négatives probables? Est-ce que ces conséquences, par exemple, on peut penser à la discrimination dans toutes sortes de domaines, la stigmatisation de certains groupes? Est-ce que c'est ça qui, en fait, est le réel problème? Si on veut continuer à permettre les bénéfices probables du partage de l'information scientifique entre les chercheurs, entre les cliniciens, entre
compagnie privée. Est-ce que là, peut-être effectivement, cette transition-là qui semble se produire dans ces nouvelles générations vers peut-être un peu moins de protection de la vie privée peut se résoudre en ayant des lois contre la discrimination génétique, par exemple, ou en s'assurant de minimiser les conséquences possibles de l'utilisation de l'information génétique plutôt que simplement l'accès ou le partage, la collecte de cette information-là. Est-ce que ce ne sont pas justement les conséquences qui sont le problème ou vraiment c'est l'enfreinte à la vie privée? À mon avis, c'est les deux. Je pense par rapport à Chine, où on a entendu que récemment, le gouvernement, dans une partie du pays, a collecté l'ADN des citoyens sans qu'ils savaient, pour permettre un autre niveau de contrôle de la population. Et si jamais il n'y a aucune conséquence néfaste de cette collecte, disons que ces données sont utilisées juste pour le bienfait des citoyens et du public, est-ce qu'on est confortable éthiquement avec cette démarche de ne pas dire aux gens que l'ADN est collecté et que c'est le gouvernement qui tient ces informations? Donc je pense qu'on peut forcer les gens à faire des choses puis bien gouverner, bien réguler pour qu'il n'y ait que des bonnes conséquences, mais on est toujours inconfortable. Donc il y a la question des conséquences et puis il y a la question du contrôle. Je crois que quand on parle de vie privée, on parle de la capacité de chacun de nous de contrôler quelle information par rapport à nous-mêmes sont connues, par qui, si on a décidé de partager, est-ce qu'on peut se retirer, est-ce qu'on peut changer notre avis par rapport à ce partage. Et la question du contrôle, pour moi, est distincte de la question des conséquences. Si on perd le contrôle, on a perdu déjà la vie privée, même s'il n'y a aucune mauvaise conséquence. Je pense que cette question de contrôle-là est très, très importante. D'ailleurs, je pense que c'est une avenue pour faire avancer ce débat sur la vie privée. Dans le sens où c'est très établi que la vie privée est un droit fondamental, mais le droit à qui il appartient, il n'appartient pas au gouvernement, il n'appartient pas aux compagnies pharmaceutiques, il n'appartient pas aux chercheurs en génétique, il appartient à la personne. C'est-à-dire que la personne peut, à tout moment, consentir, évidemment, ça doit être un consentement qui est informé, mais à donner l'accès à l'information. Et donc, une personne qui choisit volontairement et de façon informée de partager son information génétique, par exemple, devrait être capable de le faire. Et d'ailleurs, on voit des projets citoyens qui sont commencés par des gens qui ont pris le contrôle de leurs données génétiques et qui ont dit, écoutez, vous voulez avoir accès à nos données génétiques, on va vous dire à quelles conditions et pourquoi. Donc, ça permet aussi de donner une certaine puissance aux citoyens, ce pouvoir de contrôle sur ces données, à condition évidemment que ça se fasse de façon informée et dans le but de le faire participer au débat. Oui, pour aller dans ce sens, juste une petite anecdote. Le Comité consultatif national d'éthique a produit un avis le mois dernier où il est question, il s'intéresse aux données en santé, et il est question non pas du propriétaire des données, mais du titulaire des données, systématiquement. Et le titulaire, c'est celui qui a un droit sur quelque chose. Le sens précis exact du mot, et ça va tout à fait dans le sens que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que l'individu qui doit prendre en charge sa propre vie privée, poser ses limites et penser ce qu'est sa vie privée et comment il souhaite la définir. Et je crois qu'il y a là, de fait, un problème de génération. Vous aviez raison tout à l'heure de signaler que les plus jeunes d'entre nous, voire les adolescents, là on dépasse le cadre de la santé, conçoivent leur vie au travers des réseaux sociaux,
ne peuvent pas supporter l'idée de priver un adolescent de son téléphone et de son accès à Facebook ou autre chose. Je sais pas, je suis dépassé. c'est lui faire du mal aujourd'hui. J'ai reçu à l'université pour leur expliquer ce qu'on faisait en recherche sur les données, une classe de lycée il y a 2 ans. Et puis je me suis vite rendu compte que ce que j'allais leur raconter allait être trop compliqué, c'était pas la peine d'insister. Et du coup, on est parti sur cette question-là, les données personnelles et l'usage qu'ils faisaient de leur téléphone, de Facebook, etc., ce qui n'avait rien à voir directement avec les données de santé, mais c'est pas grave. Et j'ai été très frappé par le fait que... quand on leur indique qu'ils mettent des informations sur eux, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et que finalement, ils perdent le contrôle sur ces informations, là, on est confronté justement à cette question de la loyauté. Ce n'est pas de leur faute si quelque chose est réalisé, de néfaste est réalisé sur ces données, c'est parce qu'il y a des gens malfaisants. Donc, il est hors de question qu'eux se restreignent dans l'utilisation et la diffusion de ces données. En revanche, il faudrait convaincre d'une manière ou d'une autre les malfaisants de mal faire. Mais eux ne se restreindront pas. C'est-à-dire que de toute façon, leur vie s'est étendue, s'est répandue définitivement dans cet espace qui est un espace apparemment virtuel ou qui a une dimension fantasmée très particulière, alors qu'il a une matérialité, hein, parce que leurs données, elles sont dans des data centers et votre problème, c'est très très matériel, c'est donc posséder, organiser, gérer, mais ils sont pas dans cette représentation. Donc là, il y a encore une fois, je reviens sur cette question, il y a un défi d'information et de formation qui est colossal. C'est-à-dire qu'il est urgent qu'on se préoccupe de former les citoyens et les jeunes au numérique, c'est-à-dire à l'utilisation de ces outils, à une compréhension de ce que sont les algorithmes, de ce que sont les données. C'est absolument essentiel. Sinon, on va laisser grandir des générations inconscientes par rapport à leurs propres limites et à la manière dont ils se sont répandus dans un espace qu'ils considèrent virtuel et qui est devenu en fait leur mode d'interaction avec les autres humains. Mais ce qui émerge de vos propos et des propos de Yann, c'est comme une tension entre notre droit à la vie privée et notre droit de partager. Et je crois qu'entre les deux, il y a une notion de responsabilité. Et c'est la responsabilité de chacun de partager d'une manière appropriée, sur la base d'un choix informé à tous les niveaux. Et puis la responsabilité du gouvernement de réglementer ces espaces pour protéger les gens, même s'ils ne font pas les choix le plus responsable. Donc, c'est cette tension-là dans laquelle on va peut-être créer des structures de gouvernance pour promouvoir le bien-être entre le droit de partager pour contribuer à la recherche, pour faire avancer les traitements, etc., et le droit à la vie privée. Et c'est vraiment... il n'y a pas de solution facile. C'est le partage de la responsabilité par tout le monde. Pour ajouter quelque chose, pour rendre ça encore plus compliqué, pensons aussi à la dimension qui n'est pas seulement individuelle, mais collective de l'information génétique. C'est-à-dire qu'avant, on avait une information personnelle qui n'appartenait qu'à nous. C'est-à-dire qui, par exemple, si on savait que moi, je pratiquais tel sport dangereux, ça n'impliquait que moi. Mais là, si on sait, par exemple, que j'ai un gène, par exemple, de cancer du côlon héréditaire, à ce moment-là, tout d'un coup, on sait une information non seulement sur moi, mais on sait une information sur mes enfants. On sait qu'il y a une possibilité que le gène ait été transmis à mes enfants et qu'ils aient donc des chances de développer cette maladie.
Et donc, ce n'est pas une question à laquelle j'ai une solution facile à proposer, mais est-ce que je devrais être le seul à pouvoir contrôler cette information, sachant qu'elle a cette dimension collective? Et là, c'est tous les principes fondamentaux de la vie privée qui se trouvent attaqués par ce genre de questions-là, parce que le droit à la vie privée est un droit très individualiste, comme le droit au consentement. C'est là pour protéger la personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette dimension collective qui nous est lancé? Donc, on pourrait penser non seulement au droit à la protection de sa propre vie privée, mais vraiment à une forme de responsabilité de protéger la vie privée de chacun d'entre nous et envers nos proches. C'est intéressant, mais à la lumière de l'information, des traits biologiques de l'information génétique en elle-même. Et en complément, par rapport à ce droit, il y a aussi le droit de ne pas savoir, droit de ne pas savoir qu'on est porteur d'un variant pathogène. Et donc là, par rapport à la famille, et ça c'est aussi une grande complexité. Hein, s'il y a un des membres de votre famille qui fait le test, en France en tout cas, on a une loi qui fait qu'on a le devoir. S'il y a des mesures de prévention ou de soins, on a le devoir d'informer ses proches qu'on est porteur de cette maladie-là, enfin, de cette prédisposition. Même si les proches peuvent, eux, ne pas vouloir savoir, finalement, l'information doit diffuser, prévaut sur le droit de ne pas savoir. Enfin, c'est une... C'est une forme de responsabilité aussi. Oui, enfin, du coup, là, on est dans une contradiction. Hein, que est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de responsabilité de la part des professionnels? Jusqu'où est-ce que... Alors, par contre, on n'a pas de levée du secret médical. Hein. Si la personne qui reçoit son test génétique ne souhaite pas informer ses proches directement, il peut passer par le médecin, mais en donnant son consentement, en signant. Et nous, on peut adresser un courrier de manière anonymisée, en recommandé. Enfin, c'est une procédure un peu complexe, mais et qu'on n'utilise pas très souvent. Hein. La plupart du temps, la diffusion de l'information se fait naturellement dans la famille. Et si l'individu, parce que moi j'ai déjà eu hein, des patients qui ont dit qu'il y avait un risque de mort subite dans la famille, et des patients qui m'ont dit non, moi je n'informerai pas, ils peuvent toujours crever. Bon, c'est rare, mais j'ai déjà entendu. Bon, donc là on se dit, je vais avoir du mal à convaincre. Et dans ces cas-là, on informe que de par la loi française, leur responsabilité civile peut être engagée. Mais il n'y a pas de levée du secret médical. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit d'appeler les filles, même si j'avais les coordonnées, je n'ai pas le droit d'aller les informer qu'il y a cette maladie-là dans la famille. Il y a une question? Bonsoir. Je rebondis sur votre argument sur le devoir de révéler. Ma question, c'est une question pratique, mais à partir de quand on peut déterminer qu'une maladie elle est suffisamment grave pour qu'il y ait un devoir? Est-ce qu'il y a une liste? Alors, dans le droit français, il n'y a pas de liste de pathologies définies. C'est dans la mesure où il y a, ce que je disais tout à l'heure, des mesures de prévention ou de soins. Soins, alors en maladie génétique, pour les maladies génétiques, un traitement curatif vraiment spécifique d'une maladie, on n'en a pas beaucoup. Par contre, quand on prend mesure de prévention, ça va inclure la possibilité du diagnostic prénatal ou du diagnostic préimplantatoire. Et là, ça ouvre un champ de pathologie beaucoup plus large. Et donc, ça reste à à l'appréciation du médecin, de dire, vous avez, par rapport à cette pathologie, c'est obligatoire, ou important, ou même obligatoire, d'informer vos proches. Après, il faudrait avoir le regard juridique. On avait discuté avec des juristes au moment où cette loi, ce décret, est passé en 2013. Les juristes disaient,
ça, c'est pas forcément évident de montrer qu'il y a eu une perte de chance, de vraiment impliquer les personnes et que ça aille jusqu'à un procès. À ma connaissance, il n'y a pas eu de procès jusque-là, dans ce cadre-là, d'information de la parentèle. Mais c'est sûr qu'en consultation, avant, on conseillait vivement de diffuser l'information. Maintenant, je vais jusqu'à dire, vous savez, c'est inscrit dans la loi, c'est obligatoire. Hein. On pousse encore un peu plus. Au Canada, on est un peu moins loin dans la réflexion, c'est-à-dire que le devoir de prévenir n'a pas été encore établi dans le domaine de la génétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pour l'instant pas d'obligation juridique clairement établie qui permettrait à un médecin, que ce soit directement ou en passant par une agence, un tiers parti, décider qu'un patient, de révéler l'information d'un patient qui, lui, ne souhaite pas révéler cette information-là à un tiers. Est-ce que c'est parce que, pour l'instant, on n'a pas eu de cause en génétique ou la gravité de la maladie était suffisamment claire et où, justement, les gens avaient refusé de divulguer? Souvent, il faut que certaines causes se rendent devant les tribunaux pour pousser une réflexion. Pour l'instant, les exemples qui sont retrouvés devant les tribunaux étaient des exemples de génétique assez complexes où les tribunaux ont jugé que le risque était insuffisant, où le lien de cause à effet n'était pas là. Et donc, on dit que le devoir ne pouvait pas être établi dans les circonstances qu'ils avaient devant eux. Donc, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il y ait un devoir de prévenir dans le cadre d'une maladie génétique? On ne le sait pas encore pour le Canada. Juste en complément, c'est en France, il y a eu effectivement un cas familial avec le décès d'un enfant qui aurait pu être prévenu si l'information avait diffusé dans la famille. Et c'est suite à ce drame, d'accord, que il y a eu ce décret qui est venu. Maintenant, voilà, c'était un cas familial particulier. C'est vrai qu'au niveau des professionnels, des généticiens, le fait que ça passe obligatoire, et c'était même contre l'avis du CCNE qui avait réfléchi à cette question-là auparavant et qui s'était prononcé contre le fait de passer obligatoire. Bon. Après, en pratique, on fait au mieux. Vous me corrigez si je me trompe, mais ma compréhension, c'est qu'il y a quand même un devoir de la part du médecin à dire à l'individu chez qui on vient d'identifier une maladie génétique pour laquelle il y a des apparentés qui pourraient être en risque, de lui dire « cette maladie-là, il y a des risques pour vos apparentés et vous devez informer vos apparentés de ce risque-là. » Vous devriez, en tout cas. Effectivement, comme médecin, on ne peut pas, nous, se mettre à appeler les apparentés parce qu'on n'a pas de lien avec eux, mais il faut, si on n'explique pas ce risque-là pour les apparentés, là, on peut être dans le temps. Je pense que vous expliquez très bien la situation. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est le devoir d'agir comme un médecin raisonnable le ferait dans les circonstances. Et je pense qu'un médecin raisonnable qui ferait face à ce genre de situation-là de nos jours et qui est compétent en génétique, va dire oui, vous devez prévenir, il y a un risque au niveau des proches, donc vous devriez les mettre au courant. Mais effectivement, une fois que le médecin a fait ça, on entre dans une zone grise dans le cas d'une maladie où vraiment il y aurait une possibilité de prévenir la maladie et où le mode de transmission, la pénétrance serait élevée, le mode de transmission très clair. On entre dans un domaine désagréable où on a un fort sentiment éthique qu'on devrait faire quelque chose et que peut-être si on ne le fait pas, on va éventuellement se retrouver devant une cour de justice, mais présentement, on n'a pas de précédent juridique qui nous dit vous devriez divulguer dans ce cas-là. Donc, le mieux, à ce moment-là, c'est au moins d'essayer de travailler avec le patient pour l'amener encore là à une décision réfléchie en connaissance des faits.
Je voudrais aborder un autre aspect de la nature familiale de ces informations, non pas dans le domaine médical, mais dans un autre domaine. Je voudrais partager avec vous un cas que je viens d'entendre. C'est une femme qui a choisi de faire Ancestry.com pour connaître mieux ses origines. Et puis, il a eu un coup d'appel un jour de la part d'une autre femme que génétiquement était sa sœur, sauf qu'elle n'avait pas de sœur. Et donc, en discutant où elle vivait et quand elle était née, et toutes les deux ont réalisé l'histoire derrière cette découverte qui est la mère, quand elle était très jeune, avant de se marier avec le père de cette femme, a été violée par un homme. Mais là où elle vivait aux États-Unis, dans cet état, il n'y avait pas accès à l'avortement. Donc, elle a eu l'enfant, elle a donné l'enfant à l'adoption, et elle a gardé ce secret toute sa vie. Elle a dit ça à personne. Et puis, à l'âge de 81, elle était forcée de faire face à cette histoire avec sa fille, avec les deux filles, une qu'elle n'a jamais rencontrée et l'autre que... Donc vous pouvez... Vraiment, c'est les drames qui peuvent se reproduire au sein d'une famille sur la base des informations. Donc on fait le test pour le fun, par curiosité, sans réaliser ce qui peut arriver à une famille. Les secrets qui datent de plusieurs années, qui peuvent surgir, et l'impact psychologique sur nos parents, sur nos frères et sœurs, sur nos enfants. Donc, pour moi, c'était vraiment, ça révélait un autre aspect de la responsabilité qu'on prend avec ce type d'information qui n'est jamais uniquement sur nous, mais sur toute la famille. Merci. J'aurais peut-être une dernière question. On a déjà progressé beaucoup dans cette discussion sur la vie privée en lien avec la formation génétique, et puis on a fait le tour de beaucoup de questions de tensions et d'enjeux. Est-ce que, à la lumière de ce que vous avez écouté ce soir, ce que vous avez entendu, est-ce que il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà fait des tests génétiques, il y en a qui en ont fait peut-être en clinique, il y en a qui en ont fait peut-être dans le contexte de la recherche, ou qui ont même fait affaire avec des compagnies privées. Est-ce que d'entendre ce que vous avez entendu, est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça génère chez vous? Est-ce que vous avez peut-être un ajout, quelque chose à rajouter qui vient de votre expérience personnelle? Est-ce que vous l'auriez fait pareil si vous aviez eu cette discussion-là avant, par exemple. Il y a 40 ans, je vivais avec une femme, ma première conjointe, et ses deux frères étaient atteints de maladies de coordination du sang. Pas l'anémie falciforme? Non. Hémophilie, oui, hémophilie. Et il est venu à un moment donné où on a commencé à parler d'avoir des enfants. Et ça s'appelait Diane, elle m'a dit je pense que je vais travailler au moins sur l'objet pour passer une tête génétique. Et à ce moment-là, ça existait déjà pour voir si je suis porteuse du gène. Et on est allé. J'ai participé au dévoilement du résultat était positif. On a fini par se laisser. Parce que moi, je n'étais pas capable d'accepter le risque que j'aie des enfants. Elle a voulu avoir des enfants, puis moi, je n'étais pas capable d'accepter le risque d'avoir un enfant qui vivait ce que je voyais que ses frères vivaient, qui passaient la moitié du temps à l'hôpital, sous une forme assez sévère, là, et qui s'injectaient. Des produits chez eux. Mais si je me souviens bien, je devais être présent. C'était requis à ce moment-là, à l'hôpital général. On parle de la fin des années 70. Donc, on voit que l'information génétique peut mener à des dégâts, nous faire réfléchir beaucoup sur plusieurs aspects de notre vie, entre autres. Des décisions quant à avoir des enfants ou non. Et puis,
puis que ça ne concerne pas seulement l'individu, mais son entourage également. Donc, à quel point cette information génétique est privée, finalement? Je pose la question. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à ben, la soirée ou d'autres événements que vous avez vécu personnellement? Moi, c'est plus pour peut-être un signe qui peut revenir même au sondage que j'ai évoqué dans le milieu encore, sur la préoccupation citoyenne justement du recensement des données génétiques. Considérant les conséquences sociales du partage d'informations, justement la tangente entre la conservation de la vie privée, dont on a été mentionné tantôt, on peut voir peut-être qu'au niveau des cas cliniques, on peut évaluer plus facilement les bienfaits du recensement des données et du partage des données génétiques. Peut-on considérer que c'est un cas plus minoritaire par rapport au risque du partage de ces données-là en ce qui a trait aux intérêts commerciaux et privés? À quel point c'est légitime de penser justement que le recensement et le partage des données génétiques constitue plus un risque qu'un bienfait de façon générale? C'est une excellente question. Et puis, je pense qu'on n'aura pas une réponse évidente à ce genre de questions. Est-ce que vous auriez une réponse ou peut-être une piste de réflexion sur le futur, sur cette tension, encore une fois, entre les bénéfices probables et les risques reliés à l'utilisation de l'information ou au partage de l'information génétique? Pour conclure. J'ai un peu l'impression qu'en général, on a tellement mis l'emphase sur les risques et les dangers que ce n'est peut-être pas un portrait juste et qu'il faut corriger un petit peu vers la fin en disant que pour les risques, on peut se protéger. En créant des structures de gouvernance, des réglementations, des lois, on peut protéger les individus par rapport à ces risques. Mais le bienfait, on ne peut pas les avoir sans faire de la recherche et sans promouvoir la médecine sur la base de ces informations qui sont tellement précieuses. Donc, il faut quand même finir avec un ton un peu optimiste et avoir un peu de la confiance qu'on peut gérer ce phénomène pour le bien-être du public, pour mieux diagnostiquer, traiter les patients et les familles. Parce que si on met trop les freins, on va vraiment perdre un potentiel extraordinaire de progrès médical et scientifique. Et puis peut-être que grâce à la contribution coordonnée des gens qui travaillent en pratique, hein, et puis des éthiciens, des philosophes, et puis des personnes qui travaillent plus en droit, dans cette collaboration interdisciplinaire que promouvoit la bioéthique, en fait, je pense qu'effectivement, on pourrait répondre à ces questions de comment on balance les bénéfices possibles de la recherche en génétique et puis les risques également qui sont possibles. Donc, peut-être conclure sur cette piste optimiste des conséquences qui seront généralement positives de ce domaine dans le futur, et puis des mécanismes de gouvernance qui seront efficaces aussi. Je vais conclure cette café bioéthique et vous remercier l'ensemble du panel, et vous remercier l'audience pour votre participation ce soir, active et enthousiaste. Merci beaucoup. Un autre élément stimulant, un autre exemple de comment ces questions doivent être faites dans un espace public. Le but de rassembler ces experts, de partager cette réflexion ensemble dans un lieu convivial, avec quelque chose à voir, quelque chose à manger, c'est également une façon de faire un transfert de connaissances extrêmement important et de vous donner des outils que vous pouvez rapporter chez vous et de partager avec vos amis, vos familles, vos proches, vos collègues. L'idée, c'est d'ensemble réfléchir sur ces questions très difficiles et de chacun être en mesure de faire notre petit pas envers un meilleur futur, comme vous l'avez dit, où on peut essayer de contraindre ces risques pour profiter de ces bénéfices. Donc encore merci à vous. La prochaine événement sera à Québec, le 24 septembre. Donc, pour vous qui ne sont pas en mesure de nous joindre à Québec, ce sera également streamé live sur YouTube. Merci et bonne soirée. Merci au panel.